Voilà, c'est le repas familial. Alors, il y a Marco, mon beau-frère, Laetitia, ma fille, Daniel, ma sœur, mon oncle Jean-Pierre, maman, mon père Paul, tante Claire, Salomé, ma nièce et mon épouse Isabelle. Ah oui, je fais la cuisine à la maison quand il y a des amis ou même sans le soir, comme mon épouse travaille tard, je fais la cuisine, des choses toutes simples. Ils en prennent deux fois, quoi. Ils en prennent deux fois, en général, s'il en reste. Installée à Illhaeusern, au confluent de la France, de la Suisse et de l'Allemagne, l'auberge de Lille est sans aucun doute un des plus beaux symboles de la haute gastronomie française et alsacienne. Ici même sont venus s'attabler les plus grands de ce monde. Goûter la mousseline de grenouille ou le foie gras aux épices, et puis revenir. C'est un esprit de famille très soudé. Ma sœur et mon oncle sont en salle, mon père et moi en cuisine, ma mère s'occupe des fleurs, mon beau-frère de l'hôtel. Chacun a son travail et personne n'empiète sur le travail de l'autre. Ah, ça, c'est très facile. C'est un pigeon qui est découpé, qui est enrobé de choux et d'une petite farce. Et c'est cuit en forme de côtelette, comme ça, au four. Voilà. Et servi avec une sauce périgueux et des truffes. C'est un rêve d'enfant, c'est vrai, qui s'est réalisé. Tout au début, je voulais être paysan ou garde-chasse. J'allais tous les samedis, dimanches, lorsqu'il y avait beaucoup de travail ici. Mes parents me mettaient à la ferme chez mon oncle. Et puis, bon, je vivais au milieu des animaux de la ferme. C'est ce qui me plaisait. Et d'un autre côté, j'étais très copain avec le vieux garde-chasse du village qui m'emmenait traquer, qui m'emmenait voir les animaux, nourrir les animaux l'hiver. Et c'était les petits avant là, c'est vers 13-14 ans que j'ai été attiré vers la cuisine. Avant, je rêvais plutôt d'être garde-chasse ou agriculteur. Marc a finalement pris la suite de son père Paul, suivi ses enseignements, puis apporté sa touche en mettant au point une cuisine rare où se mêlent tradition, couleur et quelques idées rapportées de lointains voyages. J'ai fait fabriquer spécialement ce petit dim sum depuis longtemps chez un argentier pour servir différentes choses. Alors, dessus, il y a une petite rabiole, une aux herbes avec de la truffe à l'intérieur et puis un œuf de caille. Et ici, il y a un pigeon nappé de truffes fraîches. Et en dessous, il y a un consommé de pigeon. Là-dessous, il y a un petit consommé de pigeon. Voilà, on va lui laisser servir ça. L'histoire de l'auberge de Lille commence en 1878, où l'arrière-grand-père a fondé ici même, dans le village d'Illhaeusern, l'Arbre Vert, qui était un bistrot de village, une quinguette au bord de l'eau, où l'arrière-grand-mère faisait la cuisine et l'arrière-grand-père s'occupait de la ferme. Et ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors d'un bombardement, leur restaurant a été détruit par une bombe et on a reconstruit au même endroit un nouveau restaurant que mon père et mon oncle ont baptisé l'Auberge de Lille en 49-50 et ont eu la première étoile en 52, la deuxième en 62 et la troisième en 67. La cuisine, d'abord, je l'ai appris ici. Avant d'aller à l'école hôtelière à Strasbourg, j'ai donné des petits coups de main à l'âge de 13, 14, 15 ans, ici ou même avant, pour éplucher les légumes, vider les poissons, des petits boulots. Mon père n'avait pas autant, on n'était pas si nombreux en cuisine. Il était seul avec peut-être un cuisinier et deux apprentis. Et disons, c'est cette ambiance de travail en commun, de production en commun, qui m'a attiré vers la cuisine au départ. Le fait d'être entouré de jeunes et de produire quelque chose ensemble. Attends, ça c'est un filet de bœuf alors au pinot noir avec une chartreuse de queue de bœuf et une mousseline de céleri.
Ça, c'est une côte de veau avec un petit gnocchi de pommes de terre et un croustillant de pied de veau. Et ceci, ce qui va arriver, c'est une noisette de chevreuil avec les fameux spätzle alsaciens et une compote de fruits secs d'hiver. Du côté de ma grand-mère maternelle qui avait une ferme à Orbourvire, pas loin d'ici, c'est elle qui m'a peut-être initié en premier aux saveurs de la bonne viande, des bons produits, des soupes qui mijotent sur le coin du fourneau toute la matinée. C'était ça mon enfance. Et c'est peut-être de là d'où est venue ma passion pour les saveurs et le goût, c'est de par ma grand-mère maternelle. C'est très important, une équipe en cuisine. C'est des gens en qui on peut avoir confiance et qui vous secondent parfaitement, qui sont là. Alors mes deux chefs, Jean-Paul Bostoen, Jean Winter, et mon second, Nicolas Iarocci. Voilà. C'est une partie de l'équipe, les piliers de la cuisine. On fait les recettes en commun, les essais, les plats. Ils donnent leurs idées, on met tout ça en commun pour faire la carte. Cuisinier pour une centaine de couverts, chaque soir la cuisine de l'auberge est en ébullition. Chacun est à sa place et personne n'a droit à l'erreur. Une rigueur garante des goûts, des saveurs que le temps et le succès n'ont jamais ébranlé. On aime ça le coup de feu les cuisiniers et puis ça fait partie de notre travail, de notre vie. Il faut absolument qu'il y ait du stress sinon il n'y a pas de service. Il faut avoir un œil partout, sur tout ce qui sort, sur tout ce qui fait, pour que tous les plats marchent en même temps. Par exemple, il y a une poisson et une entrée en même temps, il faut que ce soit coordonné. Je dirais au serveur, t'as plus de saumon ce soir? Et ça marche deux timbales pour suivre deux carrés d'agneau. Donc t'en as cinq qui te restent encore des saumons là. Bonjour Adrien, ça va? Tout va bien? Bah oui, bonjour, faut bien y aller. On va aller faire un petit tour pour voir ce qu'il y a dans les filets. Pas de problème, je suis prêt. Voilà, ben on va y aller. Un des secrets de Marc, l'amour des produits. Les reflets de l'eau sur les écailles d'un cendre, la fraîcheur d'un brochet, rien ne lui plaît tant que de choisir, toucher les produits qu'il cuisinera le jour même. Là, il est magnifique le cendre. Il est vivant encore. Ouais. Ah, ouais. Ouais, celui-là, il est encore vivant. Ah, il est magnifique celui-là. Ah, celui-là, je pense, cette taille, c'est à le préparer entier, comme ça, rôti entier avec quelques échalotes, du vin blanc, un peu de chapelure dessus et du persil ciboulette, comme le faisait ma grand-tante dans le temps qui cuisinait le cendre, comme ça, il brochait aussi. Ah bon, chaud? Ah ouais. L'histoire de la famille Berlin est très proche avec la rivière, avec l'île. Et ma grand-mère et ma grande-tante ne faisaient que des poissons de rivière, des poissons comme ceux-ci que les pêcheurs lui amenaient. Et c'était surtout la matelote qui était la spécialité du village. Et maintenant, c'est Adrien qui nous pêche ces poissons de rivière là. Ce qui est important pour moi, c'est que le poisson qui est pêché soit mis en valeur correctement. Ça, c'est important pour moi. Chaque jour, les meilleurs produits arrivent d'Alsace et de la France tout entière. Monsieur Paul est là pour les recevoir. Un lien étroit avec les fournisseurs qui garantit la meilleure qualité. Une bonne cuisine est d'abord une cuisine qui fait plaisir aux clients. Je crois que c'est avant tout ça. Et c'est une cuisine qui respecte le produit et qui respecte la saveur et les goûts des produits qu'on utilise. À la carte figurent des recettes légendaires, comme cette timbale de homard qui fut servie à la cour des tsars de Russie. Pour parler des saveurs d'un plat, à mon avis, il ne faut pas faire rentrer plus de 3 saveurs différentes dans un plat. Plus vous faites rentrer de saveurs différentes dans un plat, plus vous tuez le plat. C'est un mélange de saveurs et qui va masquer le goût du produit essentiel que vous avez mis dans votre plat. Et d'un autre côté, les textures, il y a tellement de textures dans la cuisine, il y a des cuissons qui amènent des textures beaucoup plus moelleuses, il y a des textures beaucoup plus croquantes souvent sur certaines choses, il y a des mousses, il y a des choses... Mais je ne travaille pas forcément sur la texture, c'est le goût du plat avant tout.
Ricquevire, un petit village médiéval, recèle une des plus anciennes et prestigieuses caves de France. Celle de la famille Huguel, vigneron de père en fils depuis plusieurs générations. Bon, merci de ta visite, merci, Marc. Jean, merci de nous recevoir. Sans vous, nous ne serions rien. Oh, ben c'est réciproque. Mais tu sais, les grands repas, les grands plats sans le vin qui vend avec. Oui. Eh bien, ça serait... C'est la symbiose, oui, entre fait, la grande cuisine et les vins, c'est ça? Oui. Alors, on va goûter quelques vins. On peut goûter un Riesling. Ça, voilà. Merci. Oh, attends, non, je te donne. On fait pas ça comme ça, voilà. Ah oui, merci. Voilà. Alors, tu sais, c'est un Riesling, donc... très jeune encore, tu vois, il n'est pas clair, parce qu'on le laisse se filtrer lui-même. Et on avait une très belle récolte l'année dernière. Et alors, tu sais, en Alsace, on fait le vin seulement avec des raisins. Exactement, exclusivement, pas comme d'autres régions. On n'a pas de... L'année est magnifique. C'est bon, c'est un... J'ai une goût. Ça sera le base du jubilé, oui. Là, maintenant, nous sommes depuis le fût, devant le fût dont nous sommes très, très fiers. C'est un des fûts en bois que nous avons. Il a été construit en 1715. C'est donc l'année de la mort de Louis XIV. Et depuis, il est toujours en service et nous en sommes très fiers. Il fait 8800 litres. Donc, c'est un très, très grand fût pour... l'Alsace, avec tous les différents cépages que nous avons, et il est inscrit dans le livre des records de Guinness comme le plus vieux fût au monde, toujours en service, et nous sommes très fiers de l'avoir ici, et nous vinifions dedans du vin tous les ans, il est en service. Alors Marc, merci Jean. C'est un 98 qui... Ah bien, Gewürz, oui. Vendange tardive, c'est le vin à boire comme ça, en dehors du repas, c'est parfait. Bien, oui, oui. Alors, moi, je ne décris jamais un vin. Quand je vois un vin décrit par un expert, oh là là, ce qu'ils peuvent sentir dans un verre de vin. Moi, je sens que le vin, hein. Et puis au fond, en mettant le nez dans le verre. Le vin fait partie de notre culture, le vin fait partie de notre savoir-faire. Et... Le vin et la cuisine, ça marche ensemble. Ouais. De la vigne au restaurant, Serge Dubs, élu meilleur sommelier du monde, est le gardien des 20 000 bouteilles de la carte de l'Auberge de Lille. C'est chaque jour avec passion qu'il s'efforce de marier les meilleurs mets aux plus grands vins. Chaque bouteille pour un sommelier est une âme, un esprit. Alors quand on dit, voilà, souvent la première question c'est que combien de bouteilles avez-vous ? Alors ça impressionne parce qu'il y a énormément de bouteilles. Mais moi ce qui m'impressionne plutôt c'est que quand je vais dans un casier, ma carte des vins elle est vivante. Je sais que ce vin-là, par exemple, vous avez une petite appellation entre parenthèses, hein, qui est en Côte du Marmandais, qui est superbe, avec un rapport qualité-prix. Exceptionnel. Et ce vin-là, je sais quel est actuellement son goût, quelle est sa présentation. Et je l'aime tout autant que les plus belles appellations que nous avons en France, que ce soit Alsace, Bourgogne, Champagne. Je l'apprécie autant et je le sortirai à un moment donné en fonction du plat et en fonction de la situation. Alors nous venons de pénétrer dans notre cave de jour et c'est là que nous gardons entre 6 et 24 bouteilles de chaque vin qui est sur la carte des vins. Alors ici, nous avons des Bourgognes, nous avons la cave à Côte-du-Rhône à côté, la cave à Bordeaux. Là-bas, au fond, nous avons une cave qui est un tout petit peu plus fraîche. C'est la cave à vin blanc. Ici, nous maintenons, nous gardons effectivement aussi une cave du jour d'Alsace, de Bourgogne blanc, de Côte-du-Rhône blanc, de vin de la Loire. Ici, donc, on la garde un petit peu plus fraîche. Pour moi, c'est comme un piano. C'est-à-dire, pour chaque casier, je vibre différemment parce qu'il y a des présentations différentes. Par exemple, un Volnay, je sais que ce Volnay a la quintessence de la finesse, de l'élégance, de la subtilité, avec des parfums
très expressif, mais c'est plutôt du côté féminin et raffiné. C'est un plaisir pour un sommelier de faire une équipe sympathique avec le style de cuisine qui est présenté par Marc. Et bien sûr, avec le choix des vins que nous avons sur la carte des vins, c'est, comment je peux dire, aussi une sécurité et un plaisir quotidien, puisque nous avons des choses à dire ensemble. Moi, personnellement, j'adapte mes achats, mes conseils sur le style de cuisine qui se fait au restaurant. Et avec Marc, c'est un régal parce qu'il a une diversité, une personnalité dans sa cuisine qui est très variée. Un autre trésor, la carte des desserts. Couleurs, croquants, saveurs acidulées, un savant mélange de classicisme et de modernité. Alors ici, on se trouve en pâtisserie. Alors là, il y a Christophe Fischer, notre chef pâtissier, qui est chez nous depuis plus de 20 ans et qui est en train de préparer des pralinés au chocolat. Les desserts et la pâtisserie, c'est très important parce que c'est la dernière impression que laisse le repas. C'est la dernière impression que le client emmène en quittant le restaurant. On fait des recettes ensemble, on les goûte, on en parle, on les modifie quelquefois. Mais le dessert fait partie intégrante du repas. Le travail avec Marc et Berlin se passe très bien. On s'échange des idées, on travaille ensemble, on met des recettes au point. On allie le classicisme et le contemporain, la pâtisserie plus contemporaine. L'important, c'est le produit, en fin de compte. C'est le produit qui nous guide. C'est lui qui nous amène à faire ce dessert à tel et tel moment, quoi. Je crois que c'est ce qui est important. L'histoire du pain du dimanche, on s'est installé il y a quelques années en boulangerie, un four à pain, une chambre de pousse, un pétrin, tout ce qu'il fallait parce que le dimanche, il y a une vieille loi de plus de 200 ans en Alsace-Moselle qui interdit de cuire le pain le dimanche pour justement respecter le repos dominical du boulanger. Et cette loi est toujours en vigueur, il est strictement interdit de faire du pain le dimanche en Alsace-Lorraine. Là, elle est toute chaude, elle est magnifique, la baguette. C'est la baguette pour nous, pour le personnel, là, aujourd'hui. Elle est bien chaude, elle sort du four. Ah oui. Une belle croûte, une belle mie. C'est important, le pain, dans votre culture ? Ah oui, c'est important, le pain au restaurant, c'est très important, le pain. Je suis un grand mangeur de pain, déjà. Et c'est un peu mon péché mignon. J'aime autant un bon pain qu'une pâtisserie ou qu'un quelque chose de sucré. La famille Eberlin entretient une relation toute particulière avec l'art contemporain. Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg sont venus s'attabler à l'auberge de Lille. Lorsqu'il n'est pas en cuisine, Marc aime passer de longs moments à peindre avec son oncle. Alors c'est mon oncle Jean-Pierre qui m'a appris depuis tout petit à dessiner, à peindre, à faire de l'aquarelle. Avant tout, la cuisine, c'est le palais. L'art n'intervient que dans des idées ou des compositions ou à la limite de la présentation d'une assiette. Mais avant tout, la cuisine, c'est le palais. Et avant tout, on est des professionnels, je crois, comme le sont les bons maçons, les bons menuisiers, les bons carreleurs, ce que vous voulez, mais on est des artisans. Bon, l'art intervient que plus tard. La cuisine, ça peut être considéré comme un art, mais je crois que c'est très prétentieux de le dire et de le penser surtout. Souvent, en travaillant trop une présentation, on démolit l'essence du plat même. Il faut que l'esthétique soit au service du goût et non l'inverse. Pas faire une chose esthétique d'abord et puis... J'aime depuis les impressionnistes jusqu'à Soulages, à Rauschenberg, à Roy Lichtenstein, à César. J'aime beaucoup ce que faisait César, si c'est dans la sculpture, dans les compressions ou ses dessins aussi. Peut-être que dans la cuisine, on ressent un peu ça, un côté classique et un côté plus innovant, plus,
plus fort en goût. Et c'est peut-être ce mélange qui fait notre cuisine. Ah ben je pense que l'avenir devrait être là. J'ai une fille qui a 26 ans qui travaille dans l'hôtellerie. Mon épouse a deux garçons qui ne sont pas directement dans l'hôtellerie. Évidemment, ils sont trop jeunes. Peut-être un des deux succédera, mais pour le moment, on peut rien dire. Ils sont trop jeunes. On aimerait que l'un d'eux, au moins, continue cette tradition. Mais on ne peut pas forcer les enfants, vous savez. Il ne faut surtout pas forcer un enfant dans ce métier, dans cette profession qui est très dure, qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de temps. Et mon père m'a jamais forcé. Sans lui, l'Auberge de Lille ne serait pas là aujourd'hui, ni moi non plus, ni tout le personnel. Et pour nous tous, un exemple de rigueur et de travail. Il est là déjà le premier le matin, il surveille tout, il regarde tout. Et je crois que c'était sa conception de la cuisine qu'il a essayé de nous faire partager et de nous faire connaître et aimer. Les plats qu'il a créés il y a 40 ans resteront dans l'histoire. Le saumon soufflé, la mousseline de grenouille, la truffe sous la cendre, c'est des plats qui font partie. D'ailleurs, certains sont déjà dans le Larousse gastronomique. Ça fait partie de notre devoir de transmettre le métier. C'est pour ça, même dans un 3 étoiles comme là, j'ai toujours tenu à avoir un ou deux apprentis au moins, parce que ça fait partie de notre travail. Non, je ne pense pas avoir atteint la perfection. Jamais, on n'a jamais atteint la perfection. C'est le jour où on se dira on a atteint la perfection, c'est là que commencera le déclin. Mais on n'a jamais atteint la perfection. La perfection, c'est ce qu'on va faire demain, l'année prochaine, le mois prochain. C'est ça la perfection qu'on va essayer d'atteindre, mais on n'y arrivera de toute façon pas. Au fil des années, la famille Eberlin s'est imposée, a façonné l'histoire de la grande gastronomie française. Mais comme son père, Marc sait la fragilité des moments de gloire. La modestie, le génie et la passion sont les clés de la réussite de cette famille hors du commun qui n'a pas fini de nous offrir ses plus beaux trésors.